Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur Arkham, le JCE. On continue les vidéos sur les cartes gardiens de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Et on commence par la troisième carte. Pardon, oula, j'ai bu trop vite. On commence par la troisième carte personnalisable, modification sur mesure. Voilà, donc... oui, comme je le disais, vous voyez sur HAA Builder, on voit pas la carte des améliorations et je ne sais pas comment l'afficher. Donc on rebascule ici, mais il n'y a pas d'image. Donc modification sur mesure. Oui, en fait, non, pour lire ça, je vais repasser là. Modification sur mesure, un événement qui coûte 3. Qui a les traits amélioration et ravitaillement, personnalisable. Attachez cette carte à un soutien arme à feu que vous contrôlez, limite de 1 par soutien. Réaction, quand vous révélez un pion KO non échec automatique alors que vous attaquez avec le soutien attaché, inclinez modification sur mesure, annulez ce pion KO et remettez-le dans la réserve du KO, et révélez-en un nouveau. Alors première chose, avant que j'oublie, ça le trait ravitaillement, donc c'est tutorable avec le sac à dos. Voilà, c'est déjà intéressant à noter. Alors les cartes qui ont le trait arme à feu, bien évidemment il y en a plein en gardien. Il y en a plein en truand, il y en a deux en survivant. Alors il y en a des bi classés. En neutre, je crois qu'il y a que... À une exception près, c'est tout des cartes signatures. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de cibles. Alors, l'effet de la carte. Voilà, donc vous attaquez avec votre arme à feu. Du coup, quand vous résolvez le test, vous piochez un pion. Si ce pion n'est pas un échec automatique, mais qu'il ne vous plaît pas quand même, vous pouvez le remplacer. Ça vous coûte rien, simplement d'incliner modification sur mesure. Donc, ça sera utilisable une seule fois par round. À ma connaissance, il n'y a pas de moyen de redresser des événements. Alors, ça rappelle un peu Indigestion Plomb. Alors là, j'ai mis la version de niveau 0. Un événement qui coûte 1, rapide, à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu, dépense un pion munitions supplémentaire de ce soutien. Quand vous révélez des pions KO pour cette attaque, révélez un pion KO supplémentaire. Choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres. Alors, indigestion de plomb. Déjà, la carte ne fait que pour une utilisation. Alors que modification sur mesure, c'est une par round. Mais indigestion de plomb, ça coûte 1, pas 3. Indigestion de plomb, il faut la jouer quand on active, donc avant de savoir ce qu'on va piocher comme pion. Par contre, comme on pioche deux pions et on choisit celui qu'on résout, on évite l'échec automatique. Avec modification sur mesure, si on pioche l'échec automatique, on peut rien faire. Voilà. À voir. Alors... Donc là, vu qu'on ne peut pas éviter l'échec automatique, on va remplacer un très mauvais pion par un meilleur pion. Si vous jouez en standard et que vous avez une bonne arme à feu, le moins 4, la plupart du temps, ça ne vous fait pas échouer. Donc piocher le moins 4 ou le moins 3 ou un moins 2, vous en moquez, la plupart du temps. En expert, c'est pas forcément la même chose. Peut-être que vous êtes 7 au-dessus de la difficulté du test et que vous ne voulez pas piocher le moins 8 parce que le moins 8, ben, c'est une attaque ratée. Mais sinon, pourquoi vouloir un pion plutôt qu'un autre si tous les pions non échec automatique font réussir? Pour toutes les armes qui ont un effet pour chaque point ou si vous réussissez de X ou plus. La plus ancienne de ces cartes-là, c'est le fusil de chasse de la boîte de base. Donc, il coûte 5, il est de niveau 4, il prend les deux mains, il a 2 munitions.
On dépense une mission, on combat, on a plus 3 en force, et au lieu des dégâts normaux, on inflige un dégât pour chaque point de réussite. Si on doit échouer et infliger des dégâts à un autre investigateur, on lui inflige un dégât pour chaque point manquant. Donc, imaginons que je joue Mark Harrigan, que j'attaque un ennemi 4-4-4, que je joue en standard. Mark Harrigan, il a 5 de valeur de force, avec un allié style flic en patrouille, il passe à 6. Le fusil de chasse, il passe à 9. Donc il attaque à 9 contre 4. Il pioche le moins 4, ça veut dire qu'il réussit seulement de 1 et qu'il inflige un seul dégât. Et ben, il incline modification sur mesure. Alors que je vérifie le timing, on l'annule, on le remet. Donc on peut le repiocher, attention, mais voilà, il l'annule, il remet dans le sac, il mélange les pions dans le sac du chaos, il en pioche 1, mettons que c'est un moins 2. Donc 9 moins 2, 7, par rapport à 4, il a réussi de 3, il fait 3 dégâts à l'ennemi. Et si son flic en patrouille, c'est la version de niveau 2, il utilise le flic pour faire le quatrième dégât et achever l'ennemi. Voilà. Le Mauser C96, là j'ai mis la version de niveau 2. On incline l'arme, on combat avec plus 2 pour infliger plus 1 dégât. Si on réussit de 2 ou plus, soit on prend une ressource, soit on le redresse. Si on réussit de 4 ou plus, on fait les deux. Et ben voilà, vous jouez un truand friqué. Vous lui avez donné un bon bonus. Vous attaquez un ennemi avec... je sais pas, mettons vous êtes à 5 au-dessus de la difficulté. Vous piochez le moins 4, vous ne réussissez que de 1. Vous n'avez pas de ressources et vous ne redressez pas votre pistolet. Si l'ennemi n'est pas vaincu, ben vous voudriez pouvoir lui tirer dessus une deuxième fois. Donc vous remplacez le moins 4 par autre chose. Et même si vous piochez le moins 3, vous réussissez de 2. Et vous redressez votre arme pour retirer. Le Beretta, ben vous avez plus 4, vous infligez plus 1 dégât. Si vous réussissez de plus, soit vous le redressez, soit vous infligez un troisième dégât. Et si vous réussissez de 4 ou plus, vous le redressez et vous faites un troisième dégât. Voilà. Le fusil à canoncier, on peut infliger jusqu'à 6 dégâts si on réussit de 6. Voilà. Donc toutes ces armes-là, alors je les ai pas toutes nommées, il y a aussi le Derringer, mais ce sont essentiellement pour moi ces armes-là qui vous incitent à réussir largement et donc à remplacer le pire modificateur numérique par un autre. Alors la carte a le trait amélioration et il y a jusqu'à présent une carte qui interagit avec. C'est la carte bien entretenue. Un événement qui a le trait amélioration, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez, limite de 1 par soutien. Réaction, après que le soutien attaché a été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, de même que chaque autre attachement amélioration qui était attaché. Donc votre arme, vous avez une arme à feu, vous lui mettez bien entretenu dessus, modification sur mesure. Quand vous n'avez plus de munitions, vous le défaussez. Ah, ça n'avait pas chargé. Par exemple avec Action désespérée, qui vous permettra de combattre avec plus X en force, où X est le coût en ressources de votre arme, vous infligez plus un dégât. Comme le soutien était en jeu, et si vous avez réussi, vous regagnez X ressources. Grâce à bien entretenu, l'arme à feu est remontée dans votre main, avec modification sur mesure. Vous avez gagné les ressources. Vous rejouez l'arme à feu, elle entre en jeu avec toutes ses munitions, et vous pouvez lui rejouer modification sur mesure dessus. Voilà. Et du coup, on va maintenant voir les améliorations. Disponible pour un XP. Viseur cranté. Si vous échouez lors d'un test... Pardon. Si vous échouez lors d'une attaque avec le soutien attaché contre un ennemi engagé avec un autre investigateur,
Vous n'infligez aucun autre dégât. Alors ça, pour moi, c'est pour un deck de style sniper ou combat non engagé. C'est-à-dire, vous avez un gardien qui est une arme à feu et qui va tirer la plupart du temps sur des ennemis engagés avec d'autres. Par exemple, vous jouez en trio et votre gardien est chargé de l'essentiel du combat. De temps en temps, il va combattre contre un ennemi engagé avec lui. De temps en temps, avec un ennemi engagé avec l'enquêteur qui est dans son lieu, et de temps en temps contre un ennemi qui est engagé avec le polyvalent dans un autre lieu. Enfin, statistiquement, les trois cas sont équiprobables. Donc, un tiers des ennemis seront avec lui, un tiers avec l'autre, un tiers avec le troisième investigateur. Ça rappelle un peu la matraque. Voilà, quand on combat contre un ennemi engagé avec un autre investigateur et qu'on échoue, on ne blesse pas l'autre investigateur. Alors la matraque est très peu populaire, mais à l'époque où la machette version tabou coûtait 2 XP, il m'arrivait de jouer la matraque de niveau 2 dans des trios. En tout cas, on a le même effet, je ne blesse pas mon ami quand je rate mon tir contre l'ennemi engagé avec lui. Pour 2 XP, crosse allongée, vous gagnez plus 2 en force tant que vous attaquez avec le soutien attaché. Donc on paie 2 XP, bon ben ça va servir pour toutes les armes qui ont réussite par X, ou un dégât par point de réussite. Ah, je les ai pas remis, bon j'en ai parlé il y a 2 minutes. Je reprends l'exemple du fusil de chasse, qui donne un plus 3, Mark Harrigan 5, son allié 6, fusil de chasse 9, crosse allongée 11. Vous attaquez à 11 contre la difficulté. Mettons que c'est la fin de la campagne, vous piochez 1-4, ça vous fait que vous avez comme une valeur de compétence de 5. Si votre ennemi était 3-3-3, vous avez réussi 2-2. Vous le faites de dégâts. Bon. Donc c'est bien, mais il faudra peut-être quand même cumuler avec autre chose. Pour 3 XP, pour 2 croix, donc en payant 2 XP, contrepoids, après avoir attaché au soutien attacher une carte amélioration autre que modification sur mesure, piocher une carte. Donc là, vous piochez à condition de mettre d'autres améliorations sur votre arme. Donc, si vous voulez vraiment, j'allais dire, gonfler votre arme. Mais concrètement, les améliorations, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ça. L'essentiel, c'est en gardien. Allez. La première qu'on va mentionner, je vais remettre en 100%, voilà. La première qu'on va mentionner, c'est fiable. Ça coûte 1, c'est de niveau 1, c'est rapide. On le joue que pendant son tour. On l'attache à l'arme à feu, donc. Alors déjà, grâce à contrepoids. Donc, pour une ressource, mais pas d'action, on l'attache à l'arme. Grâce à contrepoids, on pioche. À noter que il n'y a pas incliné, il n'y a pas de limite par round. Si vous jouez plein d'améliorations en un round, vous allez piocher plein de cartes en un round. Donc, fiable. Tant que vous résolvez une capacité déclenchée du soutien attaché, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc, chaque fois que vous tirez avec votre arme à feu, vous avez un bonus additionnel de plus 1 en force. Munitions personnalisées. Ça, c'est de niveau 3, ça coûte 3. Là aussi c'est rapide, là aussi à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Donc, alors je vais quand même vérifier. Après avoir attaché... Ouais, je pense que ça veut dire quand même vous. Il faut que ce soit vous qui jouiez la carte. Donc vous attachez ça avec votre arme à feu, vous piochez une carte, vous mettez 2 munitions sur votre arme à feu, et chaque fois que vous tirez sur un ennemi monstre, votre attaque fait plus 1 dégât. Donc le fusil à canoncier, par exemple, il peut faire de 1 à 6 dégâts, et contre un monstre, il peut faire de 2 à... de 1, si vous réussissez de 0, il peut faire de 1 à 7 dégâts. Enchanter une arme. Pardon. C'est de niveau 3, ça coûte 3. Là, par contre, ça coûte une action.
Attachez cette carte à un soutien arme contrôlé par un investigateur dans votre lieu, limite de 1 par soutien. Le soutien attaché gagne le trait relique. Comme je le mentionnais dans la vidéo d'hier, certains ennemis sont plus sensibles aux reliques et occupent un emplacement d'arcane en plus de ses autres emplacements. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez cette carte, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque, et elle inflige plus un dégât. A noter que si vous avez mis fiable, vous faites cette attaque-là avec votre force plus 1, plus le bonus de l'arme, plus vos autres bonus, plus votre volonté, plus 1. Donc si vous avez un gardien qui est 4-4 et qui a le flic en patrouille en jeu et une arme qui lui donne plus 2, 4 plus 4 ça fait 8, plus le flic ça fait 9, plus l'arme ça fait 11, plus les deux bonus de fiable ça fait 13. Voilà. Le viseur télescopique de niveau 3, ça commence à faire beaucoup d'XP, ça coûte 3, là aussi c'est rapide. À attacher un soutien arme à feu que vous contrôlez et qui occupe deux emplacements de main importants. Le soutien attaché ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous, sauf si vous jouez en tabou. Là, vous pouvez toujours tirer sur un ennemi engagé avec vous. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez le viseur télescopique. Cette attaque peut cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Donc, vous pouvez, contre les ennemis non élites, tirer à un lieu de distance. Et si c'est le cas, vous ignorez le distant. Donc, pas besoin d'engager l'ennemi. Du coup, vous économisez l'action pour aller dans son lieu et l'action pour l'engager. Et en plus, il ne peut pas riposter contre vous. Et, ah oui, un point important avec le viseur télescopique, donc ça permet de tirer un lieu plus loin. Et pour rappel, comme fusil, on a le Springfield, il occupe deux emplacements de main, donc on peut lui mettre un viseur. Niveau 4, il coûte 4, il a 3 munitions. Action, dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus 3 en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Et, en version tabou, cette carte, qui n'était pas très appréciée, gagne. Enfin, son action de combat gagne. Cette attaque peut cibler un ennemi non élite jusqu'à un lieu plus loin que sa zone de tir normale, en ignorant distant et riposte. Donc le Springfield contre un ennemi non élite, il permet de tirer un lieu plus loin. Le viseur télescopique permet contre un ennemi non élite de tirer un lieu plus loin. Donc si vous combinez les deux, le Springfield il vous permet de tirer dans votre lieu, mais pas contre un ennemi engagé avec vous, ça c'est la restriction du Springfield, ou dans un lieu connexe, ou dans un lieu jusqu'à deux connexions de distance. Donc imaginons, vous êtes, alors, j'ai pas en tête de scénario comme ça, mais le scénario est composé de 15 lieux qui forment un carré de 5 par 5. Vous êtes dans le lieu du milieu. Vous pouvez tirer sur un ennemi non élite dans n'importe quel lieu. Que je dise pas de bêtises. Pardon. Un carré de 5 par 5 où tous les lieux sont connexes, orthogonalement. Si je dis pas de bêtises, tous les lieux sont à deux connexions de distance ou moins, sauf les quatre coins. Donc sur les 25. Enfin, faudrait que je trace ça. Non, en fait, je dis des bêtises. Non, je reprends. Meilleur exemple. Je couperai peut-être, je verrai au montage. Dans le scénario, mouillé jusqu'au cou, je crois, In Too Deep, le troisième scénario d'Innsmouth. Le plateau, c'est 3 lieues de haut, 3 lieues dans l'axe nord-sud, 5 lieues dans l'axe est-ouest. Si vous êtes dans le lieu central,
Vu que tous les lieux sont connexes orthogonalement, vous pouvez tirer dans le lieu central, mais pas contre un ennemi engagé avec vous, dans le lieu au nord de vous, au sud de vous, à l'est, à l'ouest, vu qu'ils sont à un lieu de distance, en haut à droite, ou au nord-est, au sud-est, au sud-ouest, au nord-ouest, vu que c'est à deux connexions de distance. Vous pouvez aussi tirer en ligne droite à deux lieux de distance, comme ça, donc vous pouvez tirer dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lieux sur les 15, voilà. Ben voilà, j'avais préparé ça pour en parler de ce scénario. Amélioration suivante. Alors je suis un peu perdu, contrepoids, voilà, donc contrepoids je disais, pareil c'est pour sniper, combat non engagé, pour avoir une arme qui a toutes les améliorations possibles et qui est extrêmement efficace. Alors j'en étais où? Poignée en cuir. Réduisez de 1 le coût de modification sur mesure et elle gagne rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Et poignée de cuir, ça vous coûte 3 XP. Bon bah ça économise une ressource et une action. Alors je trouve que si c'est pour jouer la carte une fois par partie, c'est faible. Voilà, vous dépensez 3 XP pour que chaque partie vous économisiez une action et une ressource. Ouais. Mais par contre, si vous utilisez action désespérée et bien entretenue, la carte modification sur mesure vous reviendra en main et vous devrez la jouer une deuxième fois. Donc sur une partie, vous économisez deux actions et deux ressources. Et potentiellement, ben sur si l'amélioration vous la prenez à la fin du premier scénario, donc ça marchera des scénarios 2 à 8, donc vous dépensez 3 XP pour économiser au total 14 ressources et 14 actions. Voilà. Chargeur agrandi. Après que des munitions ont été dépensées du ou placées sur le soutien attaché par un autre événement, placez une munition sur le soutien attaché. Donc là, bon ben placer des munitions, ça le recharge. Ça augmente les chances. Enfin, plutôt, ça diminue les risques de se retrouver à court de munitions. Mais ça vous intéressera que si votre deck inclut de la recharge ou de la dépense de munitions. Donc, si on recharge avec un événement plutôt qu'avec aventurier, ou si on consomme des munitions concrètement, voilà les événements qui parlent de munitions, il y a ça. Le grand classique munitions supplémentaires, niveau 1, ça coûte 2 ressources. Placez 3 pions munitions sur une arme à feu contrôlée par un investigateur dans votre lieu. Vous mettez 3 munitions avec ça et une avec munitions supplémentaires. Modification sur mesure. Avec l'amélioration chargeur agrandi. Donc vous dépensez 3 XP et ça... Vous avez dépensé 2 XP pour mettre 2 copies de munitions supplémentaires. Pour avoir vos 6 munitions par partie, et en jouant vos 2 munitions supplémentaires, vous avez 2 munitions encore en plus, donc quasiment une troisième copie, pour 3 XP additionnels, mais sur le long terme, ça sera rentable si vous avez vraiment besoin de toutes ces munitions. On a contrebande, vous doublez les munitions. Donc mettons que votre arme à feu a 4 munitions, avec contrebande vous passez à 8, avec modification sur mesure vous passez à 9. Alors une carte qui vient de cette boîte, plus qu'une dans la chambre, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait, chance et tactique, rapide, à jouer à la fin d'une attaque ou d'un effet qui a dépensé la dernière munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez, ajoutez une munition à ce soutien, vous gagnez +3 à votre valeur de compétence pour votre prochaine attaque avec ce soutien à ce round.
Donc cette carte-là, elle peut vous sauver. Vous faites une attaque avec votre dernière munition et vous savez que vous aurez besoin d'une autre attaque. Hop, vous remettez une munition. Et avec chargeur agrandi, vous en remettez une deuxième. Voilà, très bien. Niveau consommation, j'en parlais tout à l'heure, indigestion de plomb. Vous dépensez un pion munition pour choisir un pion KO parmi deux à résoudre. Et grâce à chargeur agrandi, vous remettez la munition dépensée par indigestion de plomb. Et pour rappel, vous avez toujours l'effet basique de modification sur mesure. Alors je vais quand même le relire. Donc avec indigestion de plomb, vous attaquez, vous dépensez une munition, avec indigestion de plomb, vous en dépensez une deuxième. Vous en remettez une, vous piochez deux pions, vous en choisissez un des deux. Donc ce que vous allez faire, mettons que vous révélez l'échec automatique et le moins 8, vous choisissez le moins 8 et vous utilisez cette réaction. Comme vous avez révélé le moins 8, vous inclinez modification sur mesure, vous l'annulez, vous le remettez dans la réserve du chaos et vous remélangez, vous en révélez un autre. Alors à ce stade-là, je pense, c'est encore un truc où je suis pas complètement sûr. Je pense à ce que qu'à ce stade-là, le pion échec automatique n'a pas été remis dans le sac du chaos vu que vous n'avez pas fini de résoudre les pions. Donc vous sortez le moins 8 et l'échec automatique. Avec indigestion de plomb, vous choisissez de résoudre le moins 8. Avec modification sur mesure, vous annulez le moins 8, vous le remettez dans le sac du chaos, vous mélangez, vous ressortez un pion qui ne peut pas être l'échec automatique vu qu'il est toujours hors du sac du chaos, et si vous piochez n'importe quoi d'autre que le moins 8, vous réussissez votre test. Du moins je le suppose, sinon vous n'utiliseriez pas indigestion de plomb. Ou en tout cas, vous avez de grandes chances de réussir. Et également, tir de sommation. Ça coûte 2 ressources. Dépensez une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez, et donc chargeur agrandi vous la rend. Déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Cette attaque ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et une fois qu'ils ont été déplacés, attaque avec l'explosion de dynamite ou tir avec votre fusil de sniper ou tout simplement s'ils sont pas chasseurs, vous en moquez, vous les laissez là où ils sont. Voilà, explosion de dynamite. Et du coup, voilà. La dernière amélioration, balle en mercure, ça coûte 4 XP. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus lorsque vous attaquez avec le soutien attaché, cette attaque inflige plus un dégât. Ça tant qu'à faire, vous le mettez sur une arme qui a réussite par X ou un dégât par point de réussite. Vu que si vous avez ce genre d'arme dans votre deck, vous allez déjà essayer vous allez essayer d'attaquer avec une valeur très supérieure à la valeur de combat de votre ennemi, donc vous avez de bonnes chances de réussir largement. Hop, pardon, je pense à un truc. Oui, donc je disais, vous avez une arme qui vous incite à booster beaucoup votre test. Si vous boostez beaucoup votre test, vous avez des chances de réussir de 3 ou plus. Le fait de réussir de 3 ou plus fait que votre attaque est déjà bien percutante et grâce à ça, elle y a un dégât de plus. Je pense, par exemple, alors. Si vos règles de construction vous le permettent, avec. Où est-ce qu'elle est la Beretta? Voilà. Vous avez plus 4. Si vous réussissez de plus 2 ou plus, soit plus un dégât, soit vous la redressez. Si vous réussissez de 4 ou plus, vous faites les deux. Donc là, imaginons que vous jouez, que je trouve un bon exemple, vous jouez Skids O'Toole. 4 de base, plus ce plus 4, donc il attaque
Il attaque à 8, il va voir le flic en patrouille, il est à 9. Il va se booster avec un flambeur. Pardon, il est à 9, il va utiliser quelques trucs pour se booster. Il pioche le pion, il réussit de 4. Donc, un dégât de base, plus un dégât vu qu'il a réussi de 4. Plus un dégât des balles en mercure, voilà, en une attaque, il a fait 4 dégâts. Et la Beretta est redressée et il peut refaire une attaque comme ça. Alors, sachant que... Il n'y a rien à incliner, donc potentiellement ça se cumule. Potentiellement, à chacune de vos attaques, si vous réussissez 3 ou plus, c'est plus un dégât. Du coup, ça, je ne l'ai pas noté, mais ça vaut aussi pour le lance-flamme. Le lance-flamme, ça vous donne un plus 4. Si vous ne jouez pas en expert, en attaquant avec plus 4 en force, et même si le lance-flamme vous force à attaquer l'ennemi qui a la meilleure valeur de combat, ça vous donne des chances de réussir de 3 ou plus. Voilà, alors maintenant les combinaisons. Crosse allongée plus balle en mercure, ça vous coûte au total 6 XP. Encore une fois, 6 XP que vous ayez une ou deux copies de modifications sur mesure dans votre deck. Crosse allongée vous donne un plus 2 en force. Et balle en mercure fait que si vous réussissez 2-3 ou plus, vous avez un dégât additionnel. Et ben ça, bon, encore une fois, pour toutes les armes qui veulent réussir largement. Contrepoids plus poignée en cuir pour 5 XP. Contrepoids, ça fait que vous piochez une carte après avoir joué une carte amélioration sur le soutien attaché. Et poignée en cuir, on réduit de 1 le coût de modification sur mesure, elle gagne rapide et à jouer uniquement lors de votre tour. Ben là, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai perdu ma ligne. Voilà. Si on joue bien entretenu et un effet de défausse et d'autres améliorations, eh ben, bien entretenu va ramener modification sur mesure en main, il faudra la rejouer. Et donc, quand grâce à bien entretenu on aura récupéré l'arme et toutes les améliorations, pour une action on rejoue l'arme, puis en action rapide et pour deux ressources au lieu de trois, on joue modification sur mesure, puis on joue toutes les autres améliorations, dont certaines sont rapides, et voilà, on pioche plein de cartes. Alors par contre, ça va coûter beaucoup en ressources. Chargeur agrandi, c'est ce qui permet de mettre des munitions quand on met ou dépense des munitions avec un événement, et contrepoids. Alors contrepoids, c'est ce qui fait qu'en attachant des améliorations, on pioche des cartes. Et ben pareil, ça pour une arme de sniper avec plein d'améliorations, parce que certaines améliorations, pardon, certaines, en tout cas modifications, non pardon, je vais y arriver, munitions. Munitions personnalisées? Non, m'échappe. Munitions personnalisées, c'est un événement qui met des munitions. Donc il en mettra une de plus. Comme c'est une amélioration, ça fera piocher. Bon ben voilà, on tire un maximum de bénéfices des améliorations. Et comme l'arme est extrêmement boostée, on veut la recharger avec munitions supplémentaires. Et chargeur agrandi fait qu'on recharge encore plus. Et enfin, viseur cranté plus contrepoids plus poignée en cuir ou chargeur agrandi plus balle en mercure, ça vous coûte 10 XP, c'est le maximum. Et ben, c'est votre super fusil de sniper que je détaillerai. Alors, pour rappel, viseur cranté, ça fait que si vous tirez sur un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre, vous ne blessez pas l'autre investigateur, donc. Ça vous permet d'attaquer sans avoir à engager, que ça soit dans votre lieu ou dans un lieu connexe si vous avez l'amélioration qu'il faut. Contrepoids,
c'est pour piocher au fur et à mesure que vous améliorez votre arme. Poignée en cuir, si vous voulez rejouer à coût réduit cette carte. Chargeur agrandi, si vous voulez remettre plein de munitions. Donc chargeur agrandi, ça va être si on recharge avec des événements et qu'on laisse l'arme en jeu. Poignée en cuir, ça va être si plutôt on envisage de défausser l'arme pour la reprendre en main, pour la rejouer et regagner les munitions en la rejouant. Et enfin, balle en mercure pour le dégât supplémentaire. Alors, le fameux super fusil de sniper. Si je me suis pas planté, ça donne ça. Un total de 24 points d'XP. Donc si par exemple vous jouez Dunwich, et ben concrètement, vous n'avez que ça comme carte à XP dans votre deck. Si vous jouez la civilisation oubliée et que vous en sortez bien, ça vous bouffe la moitié de votre XP. Donc pour 24 XP, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une copie du Springfield, donc une seule copie de votre arme dans tout votre deck. Faudra assurer la pioche et le tutorat. Modification sur mesure à 10 XP pour un ou deux exemplaires. Enchanter une arme à 3 XP, fiable à 1 XP, munitions personnalisées à 3 XP et viseur télescopique à 3 XP. L'effet avec le gardien moyen, c'est-à-dire qu'il y a 4 en... Je crois que j'ai compté 4 en force. Vous avez 5 munitions. Où est le Springfield? Le Springfield a 3, mais avec munitions personnalisées, vous en êtes mis 2. Donc vous avez 5 munitions et du gain de munitions potentiellement avec chargeur agrandi. Quand vous piochez les améliorations, quand vous jouez les améliorations, vous piochez grâce à contrepoids. Vous avez un bonus de plus 4 en force et plus 9 une fois par round. Alors plus 4, c'est plus 3 du Springfield et plus 1 de fiable. Plus 9, c'est plus 4, plus 1 et votre volonté, on part du principe que c'est 4, encore plus 1. Vous faites... Alors 4 ou 5 dégâts. Oui, voilà, c'est ça. 4 et le cinquième dégât si vous réussissez de 3 ou plus grâce au ballon mercure. Une fois par round, grâce à enchanter une arme, c'est 5 voire 6 dégâts. Ça, c'est si vous jouez, si vous attaquez un non-monstre. Donc, dans le round, vous pouvez faire de 13 à 16 dégâts. Ou alors, 5 voire 6 dégâts pour une attaque, 6 voire 7 dégâts une fois par round contre un monstre, donc 16 à 19 dégâts par round. Alors, je compte 3 actions, mais si par exemple le... Si par exemple il y a un chercheur qui joue conseil, il vous donne une action et il vous donne un bonus de plus 1 à toutes vos compétences, donc un bonus de 5 et là de 11. Voilà. Il y a pas de, vous ne faites pas de dégâts à un autre investigateur en cas d'échec. Vous ignorez riposte, vous ignorez distant et si les non-élites vous pouvez tirer dans des lieux connexes, ça c'est l'effet du Springfield. Grâce au viseur télescopique, une fois, vous pouvez tirer jusqu'à 2 lieues de distance, toujours s'il est non élite. Par contre, comme vous attaquez avec le Springfield, vous ne pouvez pas attaquer cet ennemi s'il est engagé avec vous. Donc, s'il est engagé avec vous, il faudra trouver un truc, demander à un autre investigateur de lui échapper, ou demander à un autre investigateur de l'engager avec sa dernière action, ou utiliser un effet qui vous déplace dans un lieu connexe, et vu que le Springfield peut faire tous ses tirs dans le lieu connexe tant que l'ennemi est non élite, enfin voilà. Donc vous dépensez 24 XP, et une fois que vous avez tous les éléments de votre fusil en place, vous pouvez quand même faire voilà, du 13-16 dégâts par round. C'est peut-être un peu du win-more comme on dit, mais personnellement ça m'amuse d'envisager
avoir ça dans mon deck. Encore une fois, il faut avoir tout ça. Donc il faut assurer la pioche. Alors le contrepoids bah, vous en fournit un peu de pioche. Et je vais dire ce que je dis toujours, Mark Harrigan est un gardien qui pioche énormément. Sinon, il faudra compter sur la pioche en action basique, le tutorat avec se préparer au pire, avec le sac à dos, la pioche de maîtrise, les actions des autres joueurs qui font piocher, le tutorat de la part des autres joueurs, etc., etc. Mais en tout cas, si ce style de deck vous branche, eh ben, vous avez la meilleure arme du jeu pour 24 XP. Ah oui, voilà, j'avais cet exemple-là. Alors, petit spoiler, dans le scénario pour le bien commun, la bête invoquée, 5, 6 par investigateur, 2. Et elle va se booster, bon, je lis pas toute la carte, mais mettons que vous jouez en duo. Vous dépensez vos 3 actions pour lui tirer dessus. Si vous ne ratez aucun de vos tirs, voilà, vous l'avez tué. En trio, il faudrait lui faire 18 dégâts. Alors, j'avais dit... il est monstre. Monstre, 16 à 19 dégâts. Donc, même en trio, avec votre super fusil de sniper, si tout se passe bien, vous le tuez en un round, avant qu'il soit trop boosté. Bon, j'ai passé énormément de temps sur la première carte. J'ai une ou deux combos avec, mais je les mentionnerai dans des vidéos consacrées aux combos. On va maintenant... Qu'est-ce que ça fait encore là, ce truc ? Ah, je suis revenu au début. On va maintenant passer à la deuxième carte, ça ira plus vite. Bracelet d'obsidienne. Un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Seuls les dégâts et ou horreurs infligés par des effets de traîtrise peuvent être assignés au bracelet d'obsidienne. Le bracelet d'obsidienne peut se voir assigner les dégâts et horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Alors ça rappelle détermination exemplaire et une raison de lutter. Ça coûte le prix d'un des deux et ça additionne leur valeur de point de vie et leur valeur d'horreur. Par contre, le bracelet ne peut encaisser que ce qui vient des effets de traîtrise. Détermination exemplaire et une raison de lutter, il n'y avait pas de restriction. Et le bracelet d'obsidienne occupe un emplacement de main. Les emplacements de main sont très disputés. Surtout si vous jouez un gardien qui peut-être va vouloir avoir une arme dans chaque main pour combattre. Encaisser pour les autres, on avait déjà ça sur... Frère Xavier, qui également a 3-3, pour 5 ressources, 1 XP et en occupant un emplacement d'allié. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors là, j'avais mis premier tour de garde, voilà, premier tour de garde, un événement. Vous le jouez avant de révéler les cartes de rencontre lors de la phase de mythe. Vous répartissez les cartes rencontres comme vous le souhaitez, sachant que vous êtes le seul à pouvoir en piocher plusieurs. Le bracelet d'obsidienne, vous savez que de toute façon, il peut encaisser les dégâts et horreurs des traîtrises pour tout le monde. Enfin, pour tous les gens dans votre lieu, plutôt. Donc, ça vous aidera à faire votre choix de premier tour de garde. Mais comme je le mentionnais, il y a pas mal de compétitions pour les emplacements de main. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il en manque. Il doit y avoir que les cartes qui occupent une main. Ouais. Donc il y a aussi toutes les armes à deux mains. Moi, quand je joue un gardien de combat en général, je me débrouille pour qu'il ait deux armes en même temps, sauf si vraiment il a une super arme comme
le marteau cyclopéen ou le lance-flamme. Même si je n'ai pas plusieurs armes, un gardien polyvalent, il voudra probablement une arme et une lampe torche. Point intéressant, le bracelet altéré objet. Donc on peut le récupérer dans la défausse avec récup, de niveau 0 ou de niveau 2. Alors, par contre, récup, ça nécessite de réussir une enquête. Donc, ça veut dire que vous mettez bracelet d'obsidienne dans un gardien biclassé survivant ou un survivant biclassé gardien qui n'est pas le combattant principal, qui fera au moins un peu d'enquête. Et si vous avez accès aux cartes survivants, ben vous pouvez bénéficier du catalogue de G. Schaffner pour payer le coût non négligeable du bracelet. Voilà, donc mettons, vous jouez un trio, vous avez un survivant polyvalent qui peut mettre cette carte-là, bon ben voilà. Voilà. Alors le truc, c'est que le polyvalent, dans mon style de jeu, il est tout seul. Donc il n'a pas d'autres investigateurs dans son lieu pour qui va encaisser. Et s'il fait des enquêtes et s'il a un rôle, si c'est un des deux qui a un rôle majeur, comme il utilise récup, c'est qu'il est enquêteur. Encaisser pour l'autre, c'est-à-dire encaisser pour le combattant principal, et en général, le combattant principal encaisse très bien. Donc cette carte-là, bof, je suis assez dubitatif. D'autant plus, encore une fois, qu'il y a une restriction sur la source des dégâts et des horreurs encaissées. Bon ben voilà tout ce que j'ai à dire sur cette carte là. Et fin de la vidéo. Vidéo de demain, Bolas, enfoncer la porte et blessure grave. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et en attendant la vidéo de demain, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.